c'est un con. Il y a plein de petits cons partout, des petites passerelles, c'est tout mignon. Le lieu s'appelle Rulle, comme la rivière qui porte ce nom-là. On est en Gaume, dans le sud de la Belgique. Et je suis super contente parce que je viens de trouver un site avec plein de randonnées à faire ici dans le sud de la Belgique. Voilà, maintenant ça promet encore plein de belles randonnées, j'espère que je vais pouvoir filmer. Et aujourd'hui, on se promène sur le circuit Maurice Grévis. Alors, interro surprise, qui se souvient de Maurice Grévis? Vous avez 3 secondes. Maurice Grévis, le mec de la grammaire. Vous vous souvenez sur les bancs d'école? Oui, hein, il a écrit un bouquin qui est devenu super célèbre, hein, Le bon usage de la grammaire. Et ben, Maurice Grévis, il est né ici à Rulle, dans une famille de forgerons. Donc, évidemment, ses parents espéraient qu'il reprenne la forge, mais Maurice Grévis, il était plus intéressé par la philosophie, le français, tout ça. Donc voilà, il est devenu le célèbre grammairien que l'on connaît, ou pas. Et bah tiens, ce serait l'occasion d'un petit cours de français, non? Parce que ça me rappelle que, vous savez, le AIS à la fin du mot français, ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Avant, c'était OA. Hein. Vous vous souvenez, on disait l'ancien François, les François. Et mais finalement, les François sont devenus les Français, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a, je ne sais pas moi, il y a les Anglais, il y a les Portugais, les Hollandais. Je me demande si avant, on disait les Anglois, les Portugois et les Hollandois. Vous savez, vous? J'en sais rien. Mais en tout cas, ici, on est en Gaume. Et en Gaume, on parle le patois gaumais. Et non pas le pâté gaumois. Et encore moins le pâté gaumais, qui est une spécialité locale, mais ça va de soi. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, c'est pas la seule spécialité locale, hein, ici à Rulle. Et puisqu'on parle de langues anciennes, vous vous souvenez le jour où je vous ai fait un karaoké en ancien François? Il est au grand mestier, à ce qu'il fut à vespé. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai sorti le ukulélé. Et Alexis a pris son mélodica. Mais rassurez-vous, on ne va pas vous rechanter en ancien François ni en luxembourgeois. Mais aujourd'hui, en fait, comme Rulle est appelé le village des ponts, parce qu'il y a plein de petits ponts partout, des petites passerelles, c'est tout mignon, sur des ruisseaux. On a décidé de vous faire un blind test spécial pont. On est à un endroit qui s'appelle les Hoguets, c'est un mot en dialecte gaumais, et ça veut dire, enfin c'est un nom pour appeler le fond de l'eau ici. Il paraît qu'il y a pas mal de truites, mais si vous voulez venir pêcher,
méfiez-vous parce que on raconte que il y a un mec qui s'appelle Henri le Crochet qui vous attrape et qui vous emmène au fond de l'eau. Regardez comme c'est tout mignon. Cette maison, en fait, c'est une ancienne gare. Ça a été bien restauré. Hein. C'est l'ancienne gare de Villers-sur-Semois. Villers-sur-Semois, c'est un village où on était déjà passé dans une des toutes premières randonnées que j'ai filmées. Je me souviens, un beau petit village. Sauf qu'ici, on est vraiment pas dans le village en lui-même. C'est isolé et franchement, c'est un super cadre. Avec plein d'étendues vertes tout autour et c'est super calme. Waouh! Ben, ça fait rêver! Et puis, on est entré dans ce tunnel. Mais non, enfin si, on y est bien entré dans ce tunnel, mais ça s'est vachement mieux passé que la dernière fois. Et voilà, de retour au point de départ de cette randonnée dans le village de Rulle. Première randonnée de la saison. Bah, ça faisait vraiment du bien, beaucoup de bien. J'espère que cette fois-ci, ça sera une série un petit peu plus longue que la dernière fois. Et je vous montre encore l'arbre en fleurs, parce que c'est joli.
Et voilà, c'est sur ces très belles images que je vous dis à bientôt pour une prochaine Slow Rando. J'arrive pas du tout à lancer. 2, 3, 1, 2, 3. C'est pas grave. Du moment qu'on vient volte. Du moment qu'on vient volte. Je vais jamais. Je suis pas bien, j'ai la nausée. Non. Presque. Ah. 3, 4. Bravo. Une note. Para. 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bouge pas du tout, je suis. Bonjour. Je me suis trompée. 3, 4. D'accord, ok. Ouais. Ah ! Putain, il n'y a pas moyen. Je peux entre temps, putain. Mais pourquoi on fait des choses aussi compliquées dans les années 20, 30, 40, 50 000? Thank you.